Action. Et salut tout le monde, donc on se retrouve pour jouer à 3 à F1 2019 avec Guillaume Zegrid Cornoyau, j'espère que je le prononce bien comme d'habitude, Salut. et moi-même. Donc c'est parti, on est sur Spa, 5 tours de course, séance de qualification, un tour lancé. Et puis voilà, simplement, bonne chance tout le monde. Bonne Ensemble. chance à vous. C'est l'austérité sur 20, mais tout va bien. Il y a un gars qui comprend totalement ce qu'il dit. J'ai une mauvaise nouvelle, par contre, pour la course, hein, les gars. Pourquoi? Je vous laisse la surprise. Quoi, son truc marche pas? Oh, mais tu verras. Oh merde. Okay, alors, si en plus je me trompe de pédale, ça va pas le faire. J'ai appuyé sur l'embrayage au lieu d'appuyer sur la pédale de frein. Ça commence bien. Okay, donc je précise à l'avance, ça va être pour le fun, hein, parce que personne n'est prêt en fait, psychologiquement, ni même au C'est niveau. vrai que Donc voilà. l'équipe a été plus préparée sur la dernière session, c'est vrai. Vachement. Oui, mais bon, on n'a pas fait ces circuits, donc. On n'a pas fait ces circuits. Et alors? Ce circuit-là, il est beaucoup plus facile que les autres trucs qu'on a pu faire. Enfin, pas tous, mais certains de ce qu'on a pu faire avant. Ah oui, Quoique, remarque, les plus durs, on les a peut-être. pas fait. Hongrie et on les a pas fait. Bon, nous verrons bien, voilà, de toute façon. Donc, trois Putain. courses sur le championnat, voilà. Les voitures au même niveau entre elles. Et Ah, puis. moi je pense je suis parti pour un last to first. Et Hein. puis c'est tout. Un last Oh to là first. là, oh là là! Terrible. Ah là, déjà l'accident pour Guillaume, peut-être? Ah, petit aileron avant endommagé légèrement. Ah, Oh, ça va, si c'est que les un gens avant, gain de touché le vitesse. bumper. Un gain de vitesse dans la ligne droite. Par contre, attention à dents blanches, Simon, ça va faire mal. J'ai touché un bumper et je suis parti en dérapage. Ah, mais tu es parti à tes queues? Non, pas en tête à queue. Ah, donc ça va, Mais tu manques pas. j'ai légèrement touché un mur et j'ai abîmé un peu mon Voilà, par aileron, mais contre, moi ça je suis reste. totalement parti à la faute dans le dernier secteur, j'ai ruiné un Ah. Rolex. Ouah! Oh là là, je suis reparti à la faute encore. Rien que ça, tu veux savoir le nombre de panneaux que moi que j'ai déglingué depuis tout à l'heure? Bon. Bon, bah du coup, comment dire? Chrono va arriver à zéro avant que je passe la ligne, quoi. C'est ouf. Ah, je me suis foiré à blanchiment dans le double, dans le virage rapide à gauche, quoi. Je crois que mon tour n'a pas compté parce que je crois que je suis parti à la faute encore dans un virage. Bah Aïe aïe si, il a tout aïe, clé. terrible. On a fait 2 minutes tous les deux, quoi. 18ème, Terrible. 19ème et 20ème. Bon bah. Ah, mais aucun échauffement et tout, c'est normal aussi. Oui, non, mais c'est Hein. pour Jouer à la ça. manette. Moi aussi, hein. Mais je crois que. Toi, tu joues encore à la manette ou pas Non, moi je suis revenu au Au volant. volant? La Ok. manette, c'est beaucoup trop. C'est impossible. C'est juste impossible. Alors, du coup, juste pour voir, donc toi, t'as pris la Renault, Guillaume? Ok, Racing Ouais. Point, McLaren. Ton coéquipier est 15ème, celui de McLaren est 10ème, et encore une fois, j'ai du bol, le mien est 4ème. Et combien de Donc, tours? 5 tours. 5 tours, ok. Bon, ça va être tendu de remonter. Le plus tendu, ça va être Lyon, en fait. Parce que potentiellement, on perd toutes les courses à cause de ça. L'IA, comment dire, est d'une agressivité que j'en ai jamais vu. Moi, je vais la jouer safe, je pense, parce que. Alors Ah, il c'est le pleut! bon plan, c'est le bon plan. Ah, ça c'est ma petite surprise, justement, en fait. Ah oui, il pleut. Oh bah ça va être encore pire. De toute façon, on peut pas changer les réglages, donc ça va être drôle. On peut changer les pneus au stand, on peut choisir les pneus ou pas? On est déjà en. Normalement déjà ils sont obligés de mettre les pneus pluie dès le début. D'accord. Là, on a des moyens, là. Ouais. Mais ça devrait le faire. On a Hein. un intermédiaire. N'oubliez pas l'embrayage, attention de ne pas vous faire De avoir. maintenir et lâcher au vert, c'est ça? Ouais, enfin dès que c'est parti. C'est un, ouais. And the lights out! Et voilà, de light out. Et du coup. Alors Guillaume est à l'extérieur, moi je vais rester. Tiens, m'excuser d'avance si jamais je percute quelqu'un. Bon bah moi j'ai déjà touché quelqu'un, donc c'est déjà fait. Pardon, c'est moi. Oh là là, tu fais envoyer en tête à queue, terrible. Oh là là, et on me rentre dedans, putain. Bah je peux pas tourner tout. Ah, c'est toi ça. Oh mais c'est toi en plus. Ben Enfoiré. ouais. Ouais, j'ai dit, hein, je m'excusais par avance si je percute Il quelqu'un. Je te a plus rien. déteste. Bah, c'est l'occasion de jouer ton skill vu que tu avais gagné ce même Grand Prix sous la pluie, dans ces mêmes conditions.
Non, mais en plus, non, hier il a gagné. Il a gagné Canada. Et il a gagné quoi autre site, l'autre circuit, t'as gagné deux fois, toi, du coup, toi. J'avais pas gagné, non, moi j'avais fini à deuxième ou troisième à Monaco, je sais plus exactement. Oh, l'accident, et du coup, je fous la Williams en tête à queue, limite. Monaco qui était intéressant quand même sous la pluie et tout, c'était franchement cool. Ce serait bien en vrai un GP comme ça dans les prochaines années là avec grosse flotte. Ouais, il y en a eu en vrai, mais c'est. Ouais, mais c'était il y a longtemps quand même. Hein. Ouais. C'était 90, 2008, quoi. 2008. Ah oui, 2008, ouais, c'est vrai. Et même 2016 ou 2015 aussi. Bon, j'ai plus trop d'aileron, mais apparemment c'est pas trop impactant sous la pluie. Bah, les gouttelettes créent un appui sur la voiture, hein. Voilà, exactement. Non, je vais pas rentrer au stand, je reste avec, de toute façon. Oh ouais, je gère tellement pas sous la pluie, là. Bah, t'as un sous-virage énorme sous la pluie, la voiture elle tourne pas, quoi. Bah, moi, c'est là que je suis le plus efficace, en fait. Que ça tourne pas. Ce qui est paradoxal. C'est parce qu'en fait j'ai tellement vu le film Driven que que je vois des gouttes de pluie, ça me fait des frissons et puis je me sens plus, quoi. T'es devenu un homme depuis que t'as vu Driven, quoi. Ah mon dieu. Et meilleur tour pour Lewis Hamilton. Ah c'est bon, je remonte un petit peu là. Bah moi aussi, mais j'arrive pas à dépasser. Surtout. Voilà, j'ai. Ah mais il est où The Great Maïs? Je suis juste derrière en fait. Bon, j'ai sorti une Ferrari sur un problème de frein. Hein, voilà, il y a Grosjean et machin truc là. D'ailleurs, Kim, t'es combien toi? Je suis 11ème. Ah, mais je le vois, Kim, là, je le vois. Je crois que je le vois, t'es dans le virage là. Non, je suis en haut. Oui, enfin, je suis sorti du virage. Je sais pas si c'est toi qui es devant moi. Ah, ouais, c'est toi qui es devant moi là, je te vois. Alors, devant toi, purement, puisque t'es 12ème, mais. Bah, si, t'es 15ème et je suis 16ème. Je suis 11ème. Ah, c'est pas. Ah, d'accord, ok. C'est attention, hein, il était motivé, on sent que. Attention, je suis derrière et tout. J'ai roulé sur un débris, fin de la course. Il y a des débris dans le premier virage, ça mérite une safety car, hein. Je veux pas dire. Mais je dis ça pour. Une safety quoi? Là, je dis, non, il faut une safety car, hein, très clairement. Ouais, on peut crever. Ce qui est marrant, c'est que sur Parsec, que vous me partagez votre écran, comme ça je fais un triple screen vidéo pendant le championnat. On pourrait. Il y a peut-être moyen, ouais. Vous êtes tous la fibre, de toute façon, maintenant. Enfin, toi t'as la 4G, donc ça suffit. Moi j'ai la 4G, ça suffit, ouais. On va peut-être tenter le coup, hein. Fais un multi-stream. Oui, mais es-tu vraiment sûr de vouloir. Et ça sera surtout hyper innovant sur YouTube, quoi. Mais en vrai, oui, hein. Ouais, on va faire ça avec une belle interface. Ouais, mais déjà voir si ça marche pour voir avec les trois. Le truc, c'est surtout, j'ai envie de dire, est-ce que vraiment quelqu'un a envie de voir mon pilotage? Je vous rappelle que je suis toujours dernier, les gars. Bon, après, c'est vrai que c'est le screen, on risque d'avoir un petit peu de mal pour voir un peu ce qui se passe parce que les écrans vont être tout petits. Mais c'est faisable. Ouais. Sauf si tu le fais en 4K. Ouais, alors 4K, ça va être chaud là, avec le jeu qui tourne. Oh, mais la 4K dans 2-3 ans, tu pourras, quand il y aura la 5G, tu verras. Non, c'est pas une sorte de vie, c'est une sorte de PC. Là, je peux le doubler. Allez, Kubica, laisse-moi passer, fais pas ta pute. Allez, troisième tour. Ah, il veut pas me laisser passer, quel enfoiré! Je n'arrive pas à freiner à ce putain de virage. C'est impressionnant. Ah, je vais manger le mulet. Ah, j'ai quasiment plus d'ailerons avant, c'est terminé. De toute façon, à quoi ça les ailerons? Franchement, on se le demande. C'est surfait. C'est surfait. L'aérodynamique, l'aéronautique, l'aéro, c'est. Ouais, c'est de l'amateurisme complet. Juste esthétique, c'est pour faire beau, ça sert à rien. En vrai, on roulerait tellement plus vite sans aileron. On mourrait plus vite sans aileron. Beaucoup plus vite. Aussi. Premier virage, tout droit, dans le mur. Voilà, j'essaie de faire un créneau, en fait, là. Il y a des débris partout sur la piste. Je pense qu'au premier virage, c'est ma faute à chaque fois, hein. Faudra m'excuser. C'est pour ça que je disais qu'il faut une safety car. Parce qu'à tous les tours, quasiment, j'ai percuté quelqu'un au premier virage. D'accord. Par contre, le prochain tour ça va être chaud parce que je vais perdre mon aileron. Hein. Je suis en rouge dessus, ça va être compliqué. Moi je regarde pas la carte de la voiture, j'ai trop peur. Ah, mais du coup, tu sais pas où se trouvent tes pneus. Alors. Ouais, donc ça roule. Ah, j'ai du mal, là j'ai la Williams derrière de Russell. Oh, en plus il me touche.
Ah là là, la bataille, attention! Je suis 10ème, hein, j'espère regarder mon petit point quand même, on sait jamais. Ça peut être le seul point de la saison. C'est là que genre il arrive à gagner juste avec un point. Ah, c'est possible, pas Russell comme il est 10 fois plus rapide. Et on s'est touché! Oh, le carton! Scandale! Qui m'a abandonné la session? Attention, attention derrière vous, hein. Derrière mais vous! Moi, je ne m'arrête pas! Je ne connais pas un drapeau jaune, je ne sais pas ce que c'est! Ah là là, c'est fini! Qu'est-ce qu'un drapeau? Bah, du coup, je vais me passer sur les pilotes derrière, Guillaume qui est 13ème. Oh, comment je remonte? Comment je gère? Ah, je suis dégoûté, il m'a mis complètement dehors, quoi, Russell. C'est pas la première fois, non, qu'on est différent avec Russell. Non, c'est avec Raikkonen au premier virage, il y a qui aussi. En fait, toi, tu vas te mettre tout le plateau à dos, en fait. Ah ouais, non, mais la blanchiment sur l'extérieur, il m'a sorti, quoi. Alors, Guillaume est 13ème, 20ème, bon, on sait. Toi, t'es combien? Qui? Toi. Qui? Moi? Mais ouais. Moi j'ai abandonné, il m'a totalement sorti. Ah, c'est fini. Ah merde. Le cri qu'il a fait tout à l'heure. Ah, mais je croyais que c'était encore en course, quoi. Ah non, pas du tout, ça a été un instant de kill, hein. Je suis parti directement à 270 dans le mur, c'est terminé, quoi. Et du coup, on suit Guillaume, 13ème pour l'instant. 13ème, d'accord. Je remonte à la manette Xbox One. Versus manette PS4, versus volant. Bien. Du coup, moi, je vais me faire rattraper par Hamilton. Bon, je vais pas me battre, hein. Allez-y, passez. Attends, les mais gars. T'es déjà un tour, en fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Pourquoi tu dis ça de manière surprise? T'as bien vu la session tout à l'heure, mec. Ouais, mais c'est bizarre. Mais qu'est-ce qui s'est passé en l'espace de 2 semaines pour que ça passe de zéro, quoi? Enfin, c'est trop bizarre. Bon, là, en l'occurrence, on est sous la pluie. Et bon, sous la pluie, ça te. Oui, alors tu pars en gravier, mais oui, effectivement. Mais t'as plus de droit. C'est à cause de la pluie, mec. Ah, dommage. Bon, du coup, Guillaume, on va être oh, avec... Oui. Ah non, je prends un tour. Je croyais que c'était un concurrent, un vrai concurrent. En fait, c'est un faible. Ah oui, un mec en McLaren. Attends, on va se mettre dessus. C'est un mec en Ford. Ah, mais c'était toi. Et oui, c'est lui. Ah, je suis mort. En tout cas, il a gagné une place. Il a gagné une place, il passe 19ème du coup. Oh, JP, bravo, tu as fini devant moi en tout cas. Oh, pour moi, Guillaume, mes sincères excuses. Oh, Guillaume, tu vas regretter tes paroles. Oh, Kim, peut-être a une idée de ce que je vais faire, mais. Ah, j'ai fait mon meilleur tour. Non, tu ne feras pas ça en live, hein, s'il te plaît, merci. On veut du beau jeu, là, on veut pas du. Oui, oh là là, terrible, ce virage, j'ai vraiment du mal. Ouais, t'es à 6 secondes de Danica, tu restes à la même vitesse pour le moment. Je peux le remonter. Ah, je suis dégoûté, là, je pouvais terminer dans mes points. Je prends un fond, hein. Jeff! Bon, ça va, Pérez. Quel est l'état de la voiture, Jeff? Eh ben, plutôt bon pour le moment. Il reste plus qu'à changer de pilote et on sera peut-être performant. Comment est mon aileron avant? Il est très beau, il est tout noir. Mais il est cassé un petit peu sur le côté. Il est pas cassé un peu? Ah oui, voilà, c'est bien ce que je me disais. Bon, ça va, niveau constructeur, Perez est 2ème, donc pour le moment... Et Sainz a perdu une place. Ah non, c'est bon, 9ème. J'avais pas autant merdé au qualif. Toi, tu te reposes seulement sur les performances de ton coéquipier, en fait, en vrai. Oui, ou sur l'IA, quand on ne le met pas dehors, quoi. Bon, j'avoue, c'était assez... pas propre du tout, en fait, ce Grand Prix. J'ai mis 3 voitures limite dehors au premier virage. Là, je remonte un petit peloton, là, je vais essayer. De toute façon, avec ces IA, c'est assez compliqué. Du coup, c'est la punition, quoi. Et voilà. 20ème, 19ème. Guillaume sauve l'honneur, 13ème. Pas pour longtemps, par contre. Ah non, regarde, il est dans le dernier tour. On remarque après 13ème, bon, c'est vrai qu'il marque pas de points. Bon. Pfff, c'était chaud, là. C'est moi, même pas de rouler vite, mais juste de pouvoir comprendre un peu le gameplay sous la pluie, en fait. Ouais, désolé, hein. Nous ne sommes pas tous des spécialistes et des jeux de F1.
Mais Guillaume n'en est absolument pas un, donc tu n'as aucune mais excuse moi, en je fait. Suis tout sauf un spécialiste, même surtout de F1, quoi. J'y connais, mais alors rien. Du coup, tu n'as encore le moins d'excuses. Spécialiste. D'ailleurs, hier, ils ont dû être tous dégoûtés quand j'ai le GP. Bon, bah, à ce moment-là, c'est que ce jeu-là, c'est de la merde. Mais non, mais non. Faut juste remonter son niveau, c'est tout. Juste le talent, c'est tout. Bravo Guillaume, 13ème. Bravo à God Conorio qui termine 19ème. Oh, au moins, je vais pas me retaper un tour en plus. Bah ouais, c'est ça. Ah, potentiellement, si. Tu vois, j'ai fini la course, hein. Tu disais, ouais, les dégâts, machin et tout. Bon, oui, c'est non, sûr, mais j'ai c'est un bien. Peu flippé, mais. Oui, mais bah, tant ça mieux. Ça ajoute du sel. Du coup, ça m'arrange parce que sur les deux prochaines courses, ça va être intéressant. Par contre, faudra que tu arrives à marquer des points maintenant, Guillaume, juste. Parce que bon, tu fais ton malin. On te... T'as pas marqué de points, hein. Il va falloir que tu nous montres vraiment si... Moi, en fait, j'ai cru qu'on allait jouer, mais genre, juste tous les trois, quoi. Non, non. Non, non, il y a les IA. Ah, c'est plus marrant. D'ailleurs, c'est quoi la difficulté, là? On est en difficile, 78, je crois, 70%. Ah, sérieux? Oui. Ah ouais, ok. Bah, moi, j'ai l'habitude de jouer genre en 25%, ah, tu oui, vois. Non. Bon après c'est pas les mots plus difficiles, hein. On n'est pas des mecs qui jouent tout le temps au jeu, donc même quasiment jamais, donc en fait on a mis des IA à un niveau assez bas. Et donc bravo à mon coéquipier qui termine deuxième. Bon bah 0 points pour les 3, hein. Du coup c'est parfait. Et du coup c'est Monaco. Oui. J'avoue ce qui est paradoxal, ce que je comprends pas c'est que, comme j'ai pu le dire déjà avant, sur le 2017, ça passe crème au volant en 90 de difficulté. Et là, sur le 2019, en 70, j'en chie de ouf. Même d'ailleurs, on serait en 25, hein. Je pense j'en chierais pareil. Mais t'as pas voulu charger la gage ton volant, je sais pas, sur un profil ou... J'ai tout essayé, là. Franchement, ça va m'énerver si je cherche plus, là. Donc là, franchement, j'ai pas de solution, là. Ah, c'est bien dommage, du coup. Alors, ouais, Monaco, le prochain, tout va bien. Pourquoi? C'est pas vrai. Bah oui, tu vas plus, hein. Non, non, on va voir, c'est aléatoire la météo. Ah, tu mets aléatoire, ok, oh, bah t'as raison. Donc c'est parti, ont... tout le monde est ready. Ah non, moi je sais que je suis mort, déjà quand je vais arriver au virage de la gare, moi je suis baisé, j'ai pas assez d'angle de braquage. Ah oui, c'est pour ça en fait qu'il y a du mal. Ah oui, bon, bah, bon on va mettre, oui je sais, on va mettre Imola, Monza et c'est bon. Ah non, chicane pareil, hein, tu sais, les angles de braquage beaucoup trop élevés là aussi, pareil. Allez, c'est parti. Qualifier un tour encore. En un tour, ouais. Il faudrait un ovale, en fait. Ça roule. C'est Monaco. Bon, ça va, il n'y a pas de pluie, c'est déjà ça. Hop. J'ai fait le réglage au dernier moment, j'ai fait oublier. Bon. Wow, 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 putain, oh putain. Il m'a redonné le contrôle de la voiture, je m'attendais tellement pas. Merci. Ça surprend, hein. Du coup, j'ai plus le rond avant déjà, quoi. Ça commence bien. Bon, c'est pas grave, c'est que les qualifs. Ça va, heureusement, j'ai des roues qui amortissent bien. Ouais, mais les qualifs à Monaco. Oui, c'est principal beaucoup, en fait. Il va falloir se sortir les doigts du cul. Je pense qu'on va entendre limite parler sur ces tours de qualifs. De quoi? Je sens que limite on va entendre personne parler. Mais là, oui, tout le monde va être concentré. Ça va, il a mis la règle des virages tolérants un peu. Oui, sinon c'est mort. Oh, mais fais chier, j'ai pas assez d'angle de braquage là, ça m'emmerde. J'ai tapé 3 fois dans ce tour de qualif et j'ai détruit mon aileron avant. Eh ben, j'ai tapé 0 fois, j'ai juste légèrement effleuré le mur et pour le moment je sais pas ce que ça va donner. Ah, je crois que j'ai niqué mon tour, raté un virage. Ah, moi j'ai complètement niqué mon tour. Je crois qu'on a enlevé les drapeaux donc potentiellement. Non mais pour le fun. Bon, Hamilton meilleur temps du coup. Je veux vous prouver qu'une Formule 1 en vrai ça a pas besoin d'aileron avant en fait. Bon, 15ème. 19ème, oh. 30ème. Bon. Ouais, je me sens toujours aussi mal au qualif, c'est fou. Ah, je sais pas. Après, ici, là, c'est Monaco. Donc, ouais, du coup, on a dit 15, 19 et 1. Ah, il a mis 4 secondes et 10 secondes, allez, quand même. Bon, allez, c'est parti pour la course.
T'es où toi? 15ème ouais. 19ème, je vais être obligé de temporiser à mort. Ah bah, de toute façon, il y aura que ça à faire à Monaco. Je sais pas comment on va pouvoir dépasser en fait quoi. Pas très clairement, mais ça va prendre un max de risque par contre, donc je vais peut-être mourir. Bah, c'est à te voir si tu veux finir la course au bout d'un tour. Non. Mis à part essayer de déglinguer chacun de vous, rien faire d'autre. Hein. Je veux les voitures qui bounce, elles rebondissent. Non, ouais, des fois. Bon. C'est parti. Je suis même limite tenté de sauter le départ, hein, sachant que je vais réussir à tenir. À mon départ, c'est cool. Poussez-vous! Ouah! J'arrive fort. Ouah, putain! Hop là, putain, j'ai fait un peu le con, mais... Casse-toi, Kubica! Je te déteste! Oh! 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 Sainz qui est passé, je sais pas comment, c'était quoi ça? Sainz qui est dépassé à l'intérieur, mais de ouf! C'était pas Sainz, c'était moi. Non, non, t'es... De toute façon, les rewinds... C'est toi? Ouais, c'est moi. Oh ouais, Dieu. Mais poussez-vous là! Pourquoi ça s'arrête dans le virage là? Cassez-vous! Parce que personne ne peut passer. J'ai plus d'aileron avant. Eh ben moi c'est pas loin aussi. C'est du Demolition Derby sans les rewinds. Hein. Attends, ah, tu vas me dire que t'es sous le tunnel là déjà? Oh, j'ai l'aileron que j'ai failli mourir avec l'aileron que t'as arraché quoi! Après. Ouais, l'IA qui a du mal à te dépasser! Monaco c'est typique. Ah putain! Non! Il va me sortir! Ah bah, oh bah il a plus de roue! Oh! Putain, j'ai fait un accident, je suis mort! C'est toi qui m'a acheté dehors! C'est pas vrai! Ah, c'est moi qui t'ai rentré dedans! Qui non, je t'ai pas rentré. Je crois que c'est moi. Non, personne t'est rentré dedans, t'es parti tout droit en fait. Non, non, c'est. Il y avait quelqu'un qui m'a poussé à l'arrière, c'était ce. Bah, y avait... bah si c'est pas toi, c'était un. Il y avait personne derrière toi, apparemment, et moi je t'ai pas touché donc. Soit on en aurait ripé hein, pour voir, donc au pire. Je crois que c'était moi. Hein. Ah ouais, je crois que c'était moi en fait. En fait, j'ai pas pu freiner. T'es toujours en piste, Guillaume? Non, moi je suis mort. Ah merde. Là, les deux abandons, c'est Guillaume et moi en fait. D'accord. Je suis dégoûté, putain, j'avais réussi à vous dépasser vous deux en plus. Mais ouais, j'ai dit, mais c'est qui ce fou qui passe à l'intérieur? Je suis expulsé de la F1, quoi. Est-ce que j'aime ça? J'aurais plus jamais le droit de concourir dans aucune ligue. Y'a moyen, ouais. Et ça, c'est typiquement le tracé. Quand tu le fais avec les dégâts activés, c'est toujours la merde. Et moi, c'est pour ça que je joue pas avec les IA. Ouais, surtout à Monaco. Si on joue tout seul, c'est un peu dommage. Allez. Je fais des temps, en fait. Ah, typiquement, ouais, c'est... si tu joues avec l'IA, bah, particulièrement ici, t'es obligé de mettre la voiture en god mode, quoi. Bon, ben bah, au moins, Kim, il a survécu. Il est ouais, 10ème, pour combien de temps, quoi. J'avoue, c'est quand même pas mal, là, si t'arrives à terminer dans les points. Ouais, je pense pas. Je pense qu'il va faire une. Je vais partir à la faute à un moment ou à un autre. Il y a des débris toujours dans le premier virage. Hein, bon. Apparemment, tout le monde s'en bat les couilles. Oui, oui, bah, c'est la F1 New Age maintenant. Nettoyer, c'est devenu. C'est tellement. C'est devenu ringard. Oh, il y a même des masques usagés là dehors. Hein. Putain, c'est... Après, Perez, il est pas trop loin d'Hamilton, hein. Bon, après dépasser, c'est une autre histoire. Hein. Mais il est combien, Perez? Il est deuxième. Ah bah voilà, c'est bon, pas besoin de finir la course. J'ai mon équipier qui fait tout le. Vas-y, je t'en prie. Je t'en prie. Lâche-toi qu'on passe à la prochaine course. Ah bah heureusement que tu as tous les mêmes 25%, je te rappelle. Hein. Justement, je veux que la prochaine, là, que tu mettes une belle course, mais pas de 25, de 100%. J'y 100%, j'y dis absolument. J'aime regarder une course sans rien faire pendant une heure. Ça, ouais, attends, mais ça me rappelle mon championnat en fait. Je vais essayer de changer de cam parce que je suis pas sur la bonne Force India en fait. Ah oui, ouais, tu voyais que ça conduisait bien et finalement là tu vois ce que c'est mal conduire. Il me disait, il conduit vachement bien, c'est bizarre. Ça va, tu te démerdes pas mal en vrai. Moi je te regarde depuis tout à l'heure. Bon, après, j'ai pas d'aileron avant donc quasiment, donc j'ai aucun grip. Ouais, ça va encore. La partie droite de l'aileron. Encore moi, j'ai littéralement détruit mon aileron, j'avais plus d'aileron. Je crois que Guillaume c'était pareil. Bon, ça, attends, je garde l'écart avec Giovinazzi. Je pense que la 10ème place, je fais pas de bêtises.
C'est dommage, on a que deux caméras, par contre. Ouais, ça c'est nul. Pour les streams sur le jeu, je trouve ça assez honteux. Ah non, mais en fait, t'es bien isolé en vrai. Ah bah oui, alors, y a personne derrière, personne devant. Ça va, en fait, bon, là, si tu fais pas d'erreur, tu vas choper un point. Oui, mais bon, souviens-toi, Spa. Hier, on a décidé autrement. Ah mais là, justement, là, j'ai envie de dire, ton pire ennemi, là, c'est même plus l'IA. Là, c'est toi, moi. Ah non, ça va. Ah ouais, j'ai fini trop tard. En plus, avec l'heure en moins légèrement, tu te freines encore moins bien. Là, tu... J'ai perdu la connexion à la session. C'est vrai? Oui, quand j'ai dû répondre au téléphone. Ah, mais tu vas pouvoir revenir, de toute façon. Ouais, dans une demi-heure, il faudra que je bouge. Donc j'espère qu'on aura fini la course. Bah, ça va, ça sera fini. C'est sûr. On aura fini, c'est la dernière, après, de toute façon. Nickel. Bon, du coup, plus qu'un tour. Est-ce que je peux rejoindre? Non, tu peux revenir. Toujours revenir quand t'es... T'es en quête de participation à la session. Veuillez patienter. Erreur. Impossible de rejoindre cette session. C'est pas grave. Je prends pas mal. De toute façon, tu vas pouvoir rejoindre après entre les deux courses. Je vais relancer le jeu, c'est sûrement pour ça. En fait, essaye. Je crois que j'ai un doute. Je crois que si tu te fais, si tu sors d'une session, je crois que tu peux plus y revenir. Je sais plus. En fait, je suis pas sûr. Si, tu peux encore inviter pour la suite, mais pire entre deux courses. Mais tu peux pas revenir en course, en fait, ça que je veux dire. Oui, en course, ça c'est sûr. Oui. Bah, tu peux revenir en course si t'as juste déco et que c'est trop court. Mais si t'as abandonné, quoi. De toute façon, en vrai, ce serait roleplay Exactement. Que je ne revienne pas après le carnage que j'ai fait durant cette course. Exactement. Et au moins, vous êtes banni du serveur. Au revoir. Non, ça marche pas quand même. Classement, je suis pas dernier pour une fois, tu sais. Ah bah oui, vu que j'ai fini le dernier. Mais ça a pas duré, hein. Attends, bouge pas. Attends quelques hectomètres, c'est bon, hein. Ouf! Quelle vidéo incroyable, n'empêche, petite pensée pour les gens qui la regardent. Qui la regarderont, surtout. Mais qui la regardent en ce moment même, qu'est-ce que tu racontes? De quoi tu parles? On est en live. Trois outils pour faire des grands prix. Super. Ah là là. Allez, la dernière course du coup. On va attendre que tu rejoignes. Je vais te réinviter du coup. Je pense que je peux te réinviter. Oui, je veux bien. Je veux bien. En fait, le public crie bien Lewis en fait. Je rêve pas en vrai. Oui, ça dépend des gens. Ouais. Même modéliser ça dans le jeu, putain. Du coup, j'ai hâte après le Covid, là, quand ça sera huis clos, quand ils diront vous êtes le meilleur public du monde. J'attends que ça, tu sais. Juste pour ça, je veux voir la course. Je ferai tellement. Alors, c'est le classe. Bon, dans le lobby. Où lobby? Et la dernière course, c'était Brésil, je crois. De toute façon, tu peux pas faire pire que ce que tu viens de faire là avec Monaco, donc peu importe quel tracé. Oui, dans l'absolu. Je vois pas de quoi vous parlez. J'ai déjà oublié. Ouais, mais du coup, il y a que toi qui n'a pas fini de course pour le moment. Si t'as fini de course, ah ouais, 20ème. Bon, bah du coup, t'es prêt? Tout le monde est prêt? Je suis pas prêt moi là. Oui, t'es prêt. Par contre, je vais juste muter, désactiver toutes les voix. Ok, doublon. Aïe. Donc, la prochaine course, c'est Brésil. Ok, donc c'est parti. Brasil! Bravo Sim, comme tutoriel, tu commandes le monde, mais tu comptes pas de ça. Tu parles de Brasil. Ça fait rêver là, Brasil. Bon, c'est un circuit qui est assez simple. La chance, les pilotes de F1 quand même. Hein. Ils partent tout le temps dans tous les coins du monde et tout, c'est trop bien quoi. C'est vrai. Enfin, pas cette année pour le moment, mais. À l'œil, en fait. Ah, il pleut! Oh non! Merci Kim de nous rappeler que nous vivions dans un monde bien merdique. C'est ça en fait. Bon ben on va faire avec hein. Il pleut. Haine de vie. Hein. De calif. En fait gaffe, il y a un gros freinage en descente si tu connais pas le circuit. Je ne connais pas du tout le circuit. Du coup je vais aller hyper safe et ça se trouve je vais faire mon meilleur temps de la saison. En tout cas au moins tu pourras voir la ligne d'arrivée.
Comment ça glisse au Brasil ? Ah bah oui, bon la voir c'est une chose, mais ça dépend à quel tour tu la vois quoi. Wow, dans le mur. Ah ouais ? J'ai fait un droit dans le mur tellement ça glisse quoi. Ah oui, mais faut anticiper un peu quand même. Au final. Mais ils entretiennent pas la route dans ce pays hein. Oh putain de sa mère ! Ah tu vois, maintenant il sait de quoi je parle. Je suis sûr que c'était pris le même mur exactement, tu vois. Même pas, j'ai fait une énorme équerre, mais je l'ai pas tapé. Ah, c'est déjà pas mal. Moi j'ai plus de rang, du coup je ne tourne plus. Bah c'est bien, du coup tu risques pas de partir en détaqué du coup maintenant. Je te déteste. Oui. Sur toi Guillaume, la course se déroulera sur le sec. Oh là là, mais la manette est tellement chaud quoi. En fait, là, j'ai pas l'impression de conduire une Formule 1, là. J'ai l'impression de faire du rallye, en fait, presque. Mais je suis sûr que ma 4L, elle a autant de grip que la F1, là. Ouf, comment ça glisse, quoi. C'est dingue. Ah ouais. C'est un circuit de drift. Bon, ouais, mettez le meilleur tour. C'est ça que je suis en train de faire, en vrai. Là, tous les virages, en fait, limite, je les prends en drift, quoi. C'est... Ah. Alors, et ta caméra avec Guillaume putain, qui va franchir la ligne d'arrivée, mais bon, vu l'écart, à mon avis, oui, effectivement. Alors, Guillaume, je pense, il va finir devant. Hein. J'en ai marre de partir deuxième. Aïe, aïe, caramba. Je pars toujours en même position, ça me saoule. Combien je suis, moi, du coup, alors 19ème, ok. C'est vraiment pas ouf. Ah. J'ai abandonné la session, hein, carrément. Ah oui, parce que t'as pas eu le temps de finir. C'est ça. Ok. Il fallait bien que ça finisse par arriver au bout d'un moment. Après, ça veut dire que le circuit va être sous la pluie pour la course. C'est sur le sec. Mais sur le sec, ça devrait mieux aller de toute façon. Après, face à l'IA, ça, par contre, ce sera toujours un mystère. Par contre. Oui. Bon, l'IA, ça s'était bien sorti avec l'IA sous circuit. Ouais, enfin. Le truc, franchement, là, qui, pour l'instant, qui... que je me dis et qui me rend ouf, au final, c'est que la meilleure course j'ai pu faire, ou tout du moins, quand je me crache, au début, bah, ça a été à Monaco en fait. Oui, effectivement. Et puis j'ai tout niqué. C'est moi, Guillaume le Gentil, vous me reconnaissez. Guillaume le terroriste qui a commis un attentat sur ma personne. Allez, c'est parti, n'oubliez pas l'embrouillage, si vous avez fait un faux départ. Oh, le mauvais départ, déjà une place de perdu, je pense. Départ. Oula. Attention Guillaume, je te préviens, je suis juste derrière, hein. Je préfère te prévenir tout de suite. Hein. Alors moi je vous préviens, je suis dans l'herbe. Oh ! Arrêtez de pousser, c'est quoi cette IA, mais putain de merde ! Mais j'avoue. Oh purée, c'est qui le gars là ? Putain de merde, qu'est-ce qui se passe ? Mon Dieu ! Oh là là, non ! Oh là là ! J'ai survécu ! Oh, je te déteste avec ta McLaren ! Mais c'est pas moi, mec ! Mais si, t'es parti totalement ! Mais c'est parce qu'on me poussait, mec! Oh mon dieu! Je suis mort! Et ben voilà, tout le monde est mort, il reste plus que. Il reste plus que The Great Cornichon, quoi! Merci d'avoir regardé cette vidéo! Allez, générique! Ouais, pour une fois que je suis le seul survivant, genre! Et une roue, hein, t'as vu aussi! Ah, mais il reste encore. M6 Cord! Oui, enfin, ce qu'il en reste de sa voiture, parce que. Enfin, ce qu'il en reste! Enfin, je vois pas mon aileron avant. Oui, ça t'a encore le bout de l'aileron à droite, mais pas à gauche. Mais ce circuit, il est vraiment dangereux. Les normes, elles sont pas folles. Hein, parce que moi, je roulais, j'étais. Il y avait un passage avec des pneus, genre vraiment tout près de la route, quoi. Il y a un mec qui m'a à peine poussé. Ma roue s'est pris dedans, en fait, et je me suis éclaté, quoi. Il y avait pas de dégagement du tout, quoi. Oh là, après, cet accident scandaleux, quoi. J'imagine que les pilotes sont pas aussi agressifs que l'IA qu'on a dans ce jeu là. Non, non, évidemment. C'est pas censé arriver ce genre de situation. Je suis sûr que l'IA elle-même. Ils sont hyper agressifs là quand même. Hein. Je suis sûr que l'IA elle-même elle sait que c'est un jeu vidéo quoi. Qu'ils vont pas mourir. Ah, c'est bien, tu gagnes une place. L'IA qui a conscience d'elle-même. Ouais, c'est ça. Ah. Tu es bien enculé. Je pense qu'on va arrêter le stream ici parce que. Je vais arrêter le stream ici parce que c'est scandaleux ce qu'on voit à l'écran. Y'a pas Guillaume qui roule encore ? Non, non, tu es le moi, seul encore en piste. On va voir si t'arrives à garder ta place sur Nico Hülkenberg et puis on s'arrêtera là-dessus en tout cas pour le stream.
Ah mon dieu. Moi je dis, tu devrais nous venger. Tu devrais venger nos âmes. Moi ce que je vois c'est surtout un pilote qui n'arrive pas à prendre un virage sur les tout droits mais... Ouais. Ouais, c'est trop dur. Ce circuit est trop dur. Ah mais c'est même pas le circuit, c'est en fait... Bon, en vrai ce circuit là je l'aime bien, mais pas sur F1 2019. Mais paradoxalement en fait j'aime aucun circuit sur F1 2019 en fait. Bon ben voilà, tu as tenu 17ème l'espace de 4 virages. Oh mais arrêtez, franchement les gars, vous êtes pas gentils de vous foutre de ma gueule, vous le savez que je peux pas braquer vous, vous le savez en plus. Ouais mais ça faut que tu le règles, c'est pas possible. Bon écoutez, on va s'arrêter là-dessus, en espérant que la prochaine fois ça se passe beaucoup mieux. Au moins c'était drôle. Bon bah écoutez, bon après-midi, bonne soirée à tous, et merci à tous les deux d'avoir participé, c'était magique, j'ai envie de dire, magique. Pas de soucis, des bisous, salut. Et ciao tout le monde. Salut.